Planète Rap. Le Blind Test Reverse. C'est le Blind Test Reverse. Tout est dans le reverse. Fab, comment va? Bonsoir tout le monde. En pleine forme? Je pète la forme. Tout va bien, demain l'équipe de France qui joue. Ouais. Le Portugal, on pense à Henrique. Ouais, j'adore les Portugais, mais là ça va pas le faire. Bon, on en reparlera demain. Rappelle-nous le concept du Blind Test Reverse, qui est très compliqué par rapport au Blind Test normal. Donc c'est un Blind Test. Ouais. Le premier qui buzz a la parole. Un point pour le titre, un point pour l'artiste. Il y aura 5 extraits qui seront à l'envers. Eh ouais. Il faut reconnaître les morceaux. Est-ce que tu écoutes tes morceaux à l'envers parfois, Noxious? Est-ce que tu mets des prods à l'envers? Ok, j'ai capté le plaisir. On va se débrouiller, t'inquiète. On y va? C'est parti. Ah, je crois qu'il va manquer un casque. Non, mais on va le mettre sur les enceintes. Ah, ok. Allez, premier extrait, c'est parti. Alors, c'est pour les foyers. C'est Haslan Forêt. Ah putain, t'as raison. Ouais. Ouais. Chaud. T'as raison. J'aurais jamais dit ça. Il a raison. Je suis dans ma nana. C'est quoi ça déjà? Rapta. Je suis dans ma rapta. Je suis en esprit. Chaud. Je suis en moulin. Ah merde, c'est moulin. Je suis en esprit. Là, oui. Non, là, je suis en esprit. Ok, pardon. Parfois tu pinailles sur des trucs quand même. Bah, c'est pour pas que tu te trompes, Fred. Donc il y a combien? 1-1. Un partout. Équipe Fred de Sky en solo, comme d'hab. La base. Face au foyen, 1. T'inquiète. Zéro. Deuxième extrait. On y va. C'est quoi ça? C'est un feat. C'est Mozart ça. C'est un feat et vous connaissez les deux artistes. Il n'y a même pas de démarche. Alors attention. C'est pas que Black, non? Non, je vais pas dire ça moi. C'est pas que Black? C'est un feat. C'est absolument pas que Black. C'est pas que Black. Moi, j'allais dire. C'est un feat. C'est trop dur. C'est pas l'être à une femme ou quoi? Non. Nino? On peut réécouter ou non? On l'a pas. Oh oui. Dadju et Tyke. Ah oui, j'ai capté maintenant. Oh non, même pas reconnu à l'envers, même à l'endroit. C'est trop dur. Au troisième extrait, allez, après, il faut pas rester sur une défaite, allez. On continue. Avec Doudou. Ça clignote. Noxus, c'est pas passé loin. Ah oui. Cobaladé Doudou. Il y a ma voix dans le truc. Pardon? Qui a dit il y a ma voix? C'est ma voix pitchée. Ouais, la voix pitchée. Dans le morceau. Ah, c'est ta voix? Ouais, c'est ma voix. Putain, je me suis toujours demandé qui avait fait ce truc pitché. Remets-nous le truc. Attends, faut pas que je me trompe de vie. Vas-y, c'est bizarre, je repense à tout doudou. Et même sur Snap, y'a la doudoudou. Pour la vitre, elle me fait coucou. C'est ma gadi, c'est mon chouchou. On est dans les S3. Ça, c'est toi? Alors, raconte-nous comment t'as atterri là-dessus. Enfin, comme ça en pitché. Bah, c'est moi qui ai fait la prod. Donc, après, oui, tu fais la prod. Tu connais, des fois, j'essaie d'aiguiller un peu les artistes avec des mélos et tout. Et voilà, du coup, j'avais gardé un peu le truc. Bon, en tout cas, pour Noxious, il a même pas reconnu sa prod à l'envers, quand même, là, franchement. Décevant. Ça la fout mal, hein. Bien vu. Il y a combien là? Là, il y a 3-1-0-0. Voilà, 3 pour moi, 1-0-0. Et surtout un cadeau d'une valeur inestimable, je ne vous l'ai pas dit, à gagner. Le fameux séjour. Hâte de voir ce cadeau. Le fameux séjour. Ah, pas le séjour aujourd'hui. Et il reste 2 extraits. On y va. Noxious, peut-être. C'est un flop, mais joli bébé. Ah, c'est ça. C'est Niska Nazan. Joli bébé. Oui. J'ai besoin. Je te donnerai mon cœur. Pas mal. Ah, il a été piqué. On est tuba. C'est sa voix aussi derrière. Ouais, c'est ta voix. Vous êtes en figurant ou...
Donc là, nous sommes au dernier extrait. Il reste combien de points? Et là, c'est le dernier extrait. Bah, on est à 3, 2, 1, 0. 1-0. Ok. Ah ouais. Maintenant, 2 points pour l'artiste, 2 points pour le titre. Donc okay. Rien n'est perdu pour vous. Okay. On a connu des renards de surface dans le studio qui sont arrivés comme ça, qui l'ont planté. Ok, ok. Dernier extrait. Tu es prêt? Vas-y. Les renards. Oh non, les renards. Non. C'est Nino. Pardon ? C'est pas Nino ? Avec quel morceau ? Rose. Non. Ah, il y a quelqu'un là, il y a un autre artiste. Ah bah non, quel morceau ? Qui avait le titre ? C'est la traîne. C'est quoi le titre déjà ? La vie qu'on mène. Les renards de surface. J'ai rien reconnu là. C'est pas sympa. Combien ils ont gagné 4 points comme ça là. Et ils sèchent tout le monde là. Bah, au moins Noxus a pas gagné. Oui, Noxus, putain, t'aurais pu parce que. Ouais, je vois, il est. Hein, ok, ok. Ça va, t'as eu les réponses. Dis. Bon, bah bravo. Ceux qui vont repartir avec un cadeau d'une valeur inestimable. Ils sont là autour de la table. JDHN. Pardon ? JDHN, c'est leur équipe. Oui, oui. Bah, bravo, JDHN. Merci beaucoup. Vous repartez donc avec cet album qu'Oussama va vous dédicacer. Super. Cœur blanc. Pas mal. Est-ce que tu sais ce que tu vas mettre comme dédicace aux deux ? Ouais, je vais y réfléchir.